S'exprimant à Londres, le président de la BCE, Mario Draghi, n'a fait aucune allusion à de nouvelles mesures monétaires, mais il a appelé les pays européens à renforcer leurs liens et à mettre en œuvre les promesses faites en juin dernier d'une plus grande intégration. La réponse à la crise n'a pas été moins d'Europe, mais plus d'Europe, a déclaré Mario Draghi. L'été dernier, m'exprimant ici à Londres, je disais que quand les gens parlent de la fragilité de l'euro, ils sous-estiment la quantité de capital politique qui a été investi dans la monnaie unique. Aujourd'hui, nous constatons les signes d'une amélioration sensible de l'environnement financier. Le président de la BCE a ajouté que les conditions économiques dans la zone euro restent difficiles. Les principaux organismes économiques internationaux anticipent une nouvelle année de contraction pour l'économie en 2013. Ces prévisions médiocres se doublent d'un taux de chômage qui dépasse d'ores et déjà 12% de la population active.